Les joueurs de l'AS Dabingourou ont brillé par leur absence, ce mardi 26 avril 2022, à la séance d'entraînement à Brofodoumé. Le président délégué, Diomandé Lansina, en sait quelque chose. Nous avons appris que les joueurs ont débrayé aujourd'hui. Nous voulons en savoir davantage. Le quart de ramassage est passé, mais ils, les joueurs, note de la rédaction, n'étaient pas au rendez-vous. Après, le coach nous a dit qu'ils ont décidé de ne pas venir à l'entraînement. Ils n'ont pas donné les raisons. Mais ce sont des gens qui disent que c'est parce qu'on leur doit 3 mois de salaire. J'ai dit que c'est faux, on ne leur doit pas 3 mois de salaire. On leur doit les salaires de mars. Mais la raison profonde, je vous le dis, ils disent pourquoi est-ce que l'ASI n'a pas voté Didier Drogba. Toute grève répond à un objectif, les joueurs sont des employés du club. Ils ne peuvent pas imposer leur vision au président. Ils n'ont pas dit cela de façon explicite. Donc demain, mercredi 27 avril 2022, note de la rédaction, on va se rencontrer. Ils vont nous dire exactement les raisons de leur grève. Et puis quand on doit faire une grève, on informe le coach ou le président pour dire qu'on va faire la grève à partir de tel jour pour telle ou telle raison. Mais vous ne faites pas ça et nous, on apprend par les réseaux sociaux que vous n'allez pas à l'entraînement. C'est leur droit d'entrer en grève. Mais toute grève répond à un objectif et puis, il y a une méthode. La réalité va les rattraper jusqu'à samedi, il n'y avait pas de murmure. Rien. Ils sont dans l'émotion des réseaux sociaux, dans ce qui se passe actuellement. Lire aussi élection FIF, l'honorable Adou Bernard, AS Dabingourou, opte pour Yacine Idriss Diallo comme c'est du buzz qu'ils veulent, il n'y a pas de souci. Mais après, la réalité va les rattraper. Est-ce que vous les avez appelés pour les entendre? On a une plateforme qui regroupe les joueurs et les entraîneurs. Je leur ai dit que demain, mercredi 27 avril 2022, note de la rédaction, qu'on se donne rendez-vous pour ceux qui le veulent bien, à Brofodoumé, au camp d'entraînement et on va s'expliquer. C'est là-bas qu'on peut se rencontrer. Et s'ils ne viennent pas au rendez-vous? C'est pourquoi je dis que demain, je vais m'y rendre avec un commissaire de justice, ce qu'on appelait huissier. S'ils ne viennent pas, je constate qu'ils ne sont pas venus. On va peut-être nous battre par forfait, on a un match à jouer le samedi, contre RCA. Cela veut dire qu'on ne va pas jouer ce match. On va peut-être nous battre par forfait. Si je n'ai pas de joueur, je ne joue pas. Prêt à descendre en deuxième division, mais je vous dis que je suis prêt à descendre en deuxième division. Si c'est qu'ils veulent, je suis prêt à descendre parce que je ne vois pas de raison. J'espère que demain, ils vont me donner une raison valable. Moi, je ne suis pas fâché. Ceux qui ont voulu venir, certains les ont intimidés. Les salaires de mars et d'avril seront payés cette semaine de toutes les façons, on va s'entendre. Si c'est pour le salaire, il sera payé, maintenant, si c'est pour autre chose on verra. Sinon, on ne leur doit pas 3 mois de salaire. On leur doit le salaire du mois de mars qu'on devait payer cette semaine, en plus du salaire du mois d'avril. Ils n'attendent pas cela et ils font une grève sauvage. Ils vont nous donner les raisons. Si c'est l'argent, on va régler avec l'argent. Maintenant si c'est autre chose qui est derrière, on va voir. Mais nous tous, on sait qu'il y a quelque chose derrière. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.